s'approche à grands pas. On a des tas d'idées à te partager. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos trois animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditeurs, auditrices, bienvenue au culte espoir. Alors je ne sais pas toi, mais pour ma part, je suis très heureux de te retrouver là où tu te trouves. Quoi que tu fasses, je t'invite à monter dans la barre qui a nous accompagné pendant cette petite heure. Et pour cela, je ne serai pas seule car je suis accompagnée de Marina et Amandine. Bonjour les filles. Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, nous avons comme invité Christelle. Alors, bonjour. Euh, bonjour. Tu étais déjà venue quelques fois sur notre plateau. Est-ce que tu accepterais de te représenter rapidement en quelques mots Bien sûr. Alors, donc, ben, je m'appelle Christelle. Donc, je suis maman de deux enfants, un garçon de 13 ans et un autre de 7 ans. Mmh. Euh, ben, je suis aussi psychologue voilà, okay. donc j'exerce dans le milieu euh, de l'enfance. Mm. Euh, et puis, quoi dire de plus sur moi bah, Je suis chrétienne, okay. <laughs> donc euh, j'aime beaucoup passer du temps dans la prière et pour exhorter les gens. Et mm. c'est pour ça que j'ai notamment euh, deux pages sur les réseaux sociaux, donc une plus spirituelle euh, qui s'appelle euh, Un souffle d'espoir et une autre qui est plus axée sur euh, la psychologie positive. donc mm. Okay. Euh, l'étayage, le soutien, l'accompagnement. Ou là, j'ai déjà 23 000 abonnés. Donc Ouh, euh, ouais, voilà. Ça, tu ça peux un nous donner. Un... Alors celui-ci, oui. c'est les petits rayons de soleil. Voilà. voilà ah, okay. C'est sur Facebook. Ah, ça marche. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Christelle Eh ben aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Hmm. Cette fête qui dure donc plusieurs semaines et qui hmm. amène pour beaucoup d'entre nous tant de, de joie et, euh, et de moments de partage. C'est hmm. toujours réjouissant. Et nous allons voir ensemble ce qui me semble être le véritable semble, sens de Noël. Donc hmm. un Noël tourné vers l'autre et tourné vers son prochain et l'amour. Ah bah parfait. Je... Surtout qu'à l'approche des fêtes, je sens que ça pourrait évidemment parler à nos auditeurs. Alors moi j'aime trop hein, cette petite entrée. Ouais. Euh, voilà. <laughs> euh, j'ai déjà décoré ma maison hier. Oh juste, eh oui, donc voilà, j'ai vu les photos, trop <laughs> chouette Alors Brion, moi je voulais pas manquer euh, ben, d'introduire notre culte par euh, un album de Noël que j'aime particulièrement. Euh, C'est Rolf Schneider, un auteur, compositeur, interprète chrétien, qui a travaillé sur ce projet avec Pascal Oreca et son groupe Sweet Witness. Nous allons parcourir quelques-unes de ses pépites, notamment de ce nouvel album qui s'appelait Merveilleux. Noël, mais on va commencer d'abord avec ce premier titre, Bonne Nouvelle. C'est le nom de cette chronique, une chronique où l'on partage ce que l'on a pu vivre avec Dieu pendant la semaine. Alors Amandine, comment le thème du jour a fait écho dans ta semaine Bon, ça fait un petit mois que j'ai le thème de ce culte dans la tête. Pour être tout à fait honnête, dès que je réfléchissais à ce que j'avais envie de vivre pendant cette période de l'Avent, comment je pourrais profiter de cette période pour vivre des moments chouettes avec Dieu, avec ma famille, avec les gens autour de moi, comment je pourrais être créative, faire des calendriers, de la déco, des... Wow. Comment je pourrais être sociale, par exemple, avec Brie, on avait déjà fait d'offrir à tous nos voisins un autre, une autre année, hein, un petit sac en tissu fait maison avec un petit mot des petites gourmandises. Et donc plus j'y réfléchissais, et plus j'étais, comme la médecine moderne le qualifierait, atteinte d'une flemmardise aiguë, d'un manque de motivation et d'élan, mais foudroyant, mais heureusement pas incurable. Bon, voyons Amandine, qu'est-ce qui se passe Trop de trucs à faire, pas le temps pour ça, pas vraiment l'envie. Bah oui, ça arrive, quoi. Parfois, je suis bien toute seule dans ma tanière, voilà. Ouais, mais c'est trop dommage quand même, tu vois. Alors, du coup, j'ai profité d'un week-end en Suisse, chez une de mes grandes sœurs, pour appeler au secours. Je lui dis ce qui m'arrive, je lui explique un peu le thème. Vive Noël et cette période d'une manière un peu différente, tournée vers l'autre. Et voilà qu'elle me dit bah fais un calendrier de l'avant où chaque jour t'envoie un petit un petit mot gentil tout court tout simple à une personne différente. Oh, non mais 24 personnes à <laughs> contacter et puis potentiellement si je leur écris bah ils vont me répondre. Puis on va devoir discuter. Puis il y a des fois je trouve ça génial, ça me nourrit, ça me fait du bien, puis des fois j'ai juste pas l'énergie quoi. Ma sœur très bienveillante qui m'explique qu'on peut se dire des mots gentils sans partir dans de longues conversations, que même dans l'état où je suis là tout de suite, c'est possible, c'est faisable. Alors direct, je me tourne vers mon chéri, tu fais avec moi. Forcément, accepté. voilà, forcément, <laughs> Brian n'échappe que rarement à ce genre de sollicitation de ma part, je sais, j'ai de la chance pour ça. Et puis je me dis. Bon, on va faire rentrer Dieu dans l'équation, hein, ce serait quand même vachement mieux. Donc, on va envoyer un petit message à tour de rôle et on en profitera pour prier pour la personne à qui on a envoyé le message. Si Dieu nous accompagne, je sais qu'il me donnera l'énergie et même... La joie nécessaire à ce défi à relever. Direct après, je me tourne vers ma nièce, 10 ans, créativité, plus, 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 et je lui dis Tu peux m'aider à le créer, ce calendrier <laughs> Ma nièce, formidable, vient au secours de sa tati, me montre des modèles. Après avoir choisi ce que je voulais, sort ses multiples crayons et paillettes, se met en action pour dessiner, créer et mettre en forme le calendrier parfait à mettre sur la porte de mon salon. Elle me met au boulot, bien sûr, hein. on s'y met à deux, puis à trois avec ma soeur, puis mes viennent faire leurs petits commentaires et on se retrouve avec un calendrier où derrière l'étiquette de chaque jour répartie de manière aléatoire par ma nièce se cache le prénom des 24 personnes que nous contacterons et pour lesquelles nous prierons. Voilà, ok, et eh ben on va le relever ce défi, wow. c'est bon. <laughs> et je remercie Dieu des personnes qu'il a placées dans ma vie pour me donner l'élan quand je ne l'ai pas. L'envie quand je m'essouffle et la capacité que j'ai d'oser appeler à l'aide, même pour ces petits détails, pour m'aider à être la meilleure version de moi-même. Je prie que le Seigneur puisse t'entourer comme il l'a fait pour moi et que tu sois béni en cette période de l'Avent. Nous sommes dans la chronique. Promesse du jour, une promesse que l'on puise dans les versets de la Bible, qui est une source impressionnante de promesses. Et celle que j'aimerais partager se trouve dans le Nouveau Testament et plus précisément dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et le verset 34. Il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors quoi de plus beau que de recevoir l'amour inconditionnel de Jésus, cet amour reçu qui donne la paix, qui restaure, qui guérit, qui rassemble, qui soutient. Et je crois fermement que je suis invité en retour à partager cet amour, de par mon comportement, de par mes actions. D'ailleurs, il y a une musique que j'aime bien qui chante cet amour en rythme et en cadence. Alors je te laisse écouter. J'ai la joie de vous inviter dans mon salon pour cette chronique Louange en musique. À l'approche des fêtes de Noël, dans ma famille, on aime mettre des musiques d'ambiance. Alors quand j'étais enfant, c'était l'intégrale de Richard Kledermans, ici, piano, piano, piano. Ça devrait faire plaisir à notre chère Amandine. Oui, oui, grand pianiste devant l'éternel. Aujourd'hui, je vous invite à glisser avec moi vers des tons gospel plus feutrés en mode jazzy. J'aime beaucoup cette atmosphère musicale autour de ces fêtes qui commencent pour moi début décembre et même peut-être avant. Allez, pour la douceur de vos oreilles, voici Noël, fête de la paix. Nous voilà dans la chronique Dieu agit, une chronique dédiée au témoignage authentique. Alors, Amandine, qu'est-ce que tu nous as concocté Oui, et oui, parce qu'on croit fermement ici dans ce studio que Dieu est vivant et qu'aujourd'hui encore, il se manifeste dans les vies. Alors, cette semaine, nous parlons de Noël et j'ai le plaisir de te faire écouter le témoignage d'une amie que tu connais, chers auditeurs et chères auditrices, qui a vécu un Noël un peu spécial. Bon, écoute Mildred, normalement c'est toi qui es derrière le micro à interviewer les gens. Et puis là, tu as accepté de changer de rôle, ça va Ah oui, bah je suis pas très sûre de moi tout d'un coup, <laughs> mais merci beaucoup de l'invitation. Je suis trop contente. Écoute, je me suis tournée vers toi parce que quand je te parlais du thème de notre culte, tu m'as dit que toi et ta, ta famille, vous aviez vécu un Noël un peu particulier. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait Alors, ça s'est passé l'année passée et c'était vraiment différent. Le 25 décembre, donc, dans mon église, ils ont organisé une soirée où ils allaient préparer de la soupe, des sandwichs et d'autres bonnes choses à manger, dans l'intention de distribuer aux personnes euh, qui habitent dans la rue ou toutes les personnes dans la précarité qui allaient passer par là. Donc, avant cette date-là, ils ont fait un peu de pub en disant, à bah, telle date, donc le 25 décembre, à cette adresse, il y aura distribution de nourriture. Et ton église, elle est à Genève, c'est ça? Exact. Mm. Je fréquente l'église à Genève, l'église Adventiste, 7e jour à Genève. Et donc, c'est un ami à nous qui, qui organisait ça avec son équipe. Et ce jour-là, je l'ai appelé pour savoir comment ça allait et s'il avait du monde pour l'aider. Il m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, je lui ai dit, bah écoute, alors, on vient et euh, on vient de donner un coup de main. Et avec ma famille, on est parti. Donc, mon époux et nos enfants, nous sommes partis là-bas pour donner un coup de main à ces peu de personnes qui étaient là pour préparer. Donc, tu as réussi à convaincre toute ta petite famille de venir avec toi. Ah ouais, ils étaient partants et donc euh, et ça c'était en fin de matinée. Donc le 25, le jour où euh, souvent on est en famille etc., là, vous vous êtes partis euh, Voilà, euh, on s'est habillé. Exact, on s'est très bien habillé avec nos jeans et baskets et on est parti là-bas pour euh, pour donner un coup de main et c'était c'était assez sympa. Et du coup, avons... c'était quoi le, le rôle de chacun Vous avez fait quoi alors nous avons la soupe en effet, c'était pas nous qui avons fait, mais nous avons aidé à préparer des sandwiches, nous avons posé les tables, à réceptionner les personnes et euh, dans l'après-midi, il y a tous les gens qui voulaient recevoir à manger sont arrivés. Et donc, nous avons commencé à discuter avec eux, à distribuer du chocolat chaud, des biscuits, des sandwichs, des bols de soupe qui étaient vraiment délicieuses. <laughs> et finalement, euh, à ce moment-là, en fait, ce pas prévu qu'ils rentrent dans, dans le bâtiment parce qu'ils restaient à la porte et nous, on apportait les sachets de nourriture. Okay. Mais il faisait tellement froid qui est le responsable a dit bah écoutez on va vous ouvrir les portes complètement et vous pouvez venir vous installer sur des bancs et c'est ce qui a été fait et du coup nous avons passé en plus, nous avons passé du temps à discuter avec eux, en plus de tout simplement distribuer de la nourriture. Bon, si j'ai bien compris, tu as été avec tes enfants aussi, donc, enfin, euh, vous avez tous des personnalités différentes, euh, et puis des âges différents finalement. Comment chacun, chacun a vécu la chose? Parce qu'il y, y a un côté très euh, idéaliste aussi de se dire on va aider son prochain, etc. Comment chacun a vécu finalement euh, cette expérience? Alors pour mon mari et moi, c'était pas compliqué. Hein. On a, on, on est facilement en lien avec les personnes. On discute sans aucun problème. Et euh, pour les enfants, oui, ils sont, ils sont un peu en retrait, euh, mais ils ont, ils étaient assez ouverts pour aller apporter des de sa et juste faire un petit sourire. Mais mmh. en effet, ils sont pas là en train de, de faire la grande discussion avec les personnes. Mais ça a duré long, longtemps du coup. Écoute, entre le moment où nous sommes arrivés pour la préparation, la distribution, discussion, et après, il y avait encore le rangement de la salle, oui, euh, ça a pris pas mal de temps. Nous sommes partis de là-bas, c'était déjà bien 20h30. Ah ouais. Et, et, mais c'était vraiment <laughs> un Noël bien différent, puisque après toute cette euh, demi-journée et soirée en train de, de donner à manger aux personnes, nous sommes encore allés à l'hôpital rendre visite à quelqu'un qui, qui était hospitalisé. Donc, c'était un Noël bien différent pour nous. Et justement, bah, voilà, forcément, nos auditeurs, et puis euh, tu viens de dire que, es, que c'est ton église qui a organisé ça, donc on sait que toi et ta famille, vous êtes croyants. Euh, J'imagine forcément qu'il y a un lien entre finalement cette démarche et puis votre foi. Euh, comment toi, tu l'avais vécu en tant que croyante et dans ta relation avec Dieu Pour moi, c'était très positif et ça me donnait vraiment du sens même si je ne crois pas que Jésus est né là le 25 décembre, euh, mais c'est la, la période où le monde a décidé de, de fêter la naissance de Jésus. Et quand on dit que Jésus est la lumière du monde, que Jésus est venu pour apporter la paix, l'amour, la bienveillance, bah, j'ai trouvé que pour moi, ça fait du sens, mmh. beaucoup plus de sens que, ben bah, voilà, il y a eu d'autres Noëls où j'ai vécu d'une autre manière. Où on passe euh, la journée à manger ou à se distribuer des cadeaux, ce qui est très sympa aussi. Mais là, c'était une autre expérience qui m'a beaucoup apporté. Et euh, bien sûr que euh, ces personnes-là, peut-être je vais plus les revoir. Peut-être quelques-unes avaient déjà mangé ailleurs aussi, parce qu'on sait que ce jour-là, il y avait plusieurs associations qui distribuaient de la nourriture à Genève. Mais euh, en tout cas. Cela m'a apporté et je suis sûre que pour d'autres personnes qui étaient là, euh, bah, il y a eu quelques-uns qui ont remercié pour la discussion. Pas forcément pour la nourriture, mais pour le moment qu'ils qu ont pu vivre au chaud et à discuter tout simplement. Ce serait une expérience que toi, tu referais? Alors, pour cette année, ce n'est pas encore prévu. Mais d'autre côté, nous n'avons rien non plus encore noté sur l'agenda. Donc, nous sommes ouverts à, à des propositions. <laughs> Excellent. Est-ce que tu aurais un petit mot de conclusion par rapport à ce témoignage que tu nous partages bah, Je pense tout simplement qu'en en cette fin d'année, comme souvent en fin d'année, nous sommes tous emprunts de bonnes idées, de bonnes initiatives. On a envie d'être le plus gentil possible. Bah, si on peut essayer de faire ça toute l'année. Tout le reste de l'année, d'essayer d'être de, bon pour les personnes, cela apporte euh, du positif aux autres. Cela nous apporte aussi du positif et tout simplement, on essaye d'imiter l'exemple de Jésus. Merci beaucoup Mildred. Bah, merci à toi. Bisous à toute l'équipe. Alors Christelle, un, un Noël motivé par l'essentiel. La parole est à toi. Alors, nous voilà ensemble pour quelques minutes. Alors, j'ai bien envie de vous transmettre mon engouement certain pour Noël. <laughs> Avec mes enfants, nous aimons particulièrement cette période de l'année, notamment pour les temps de réjouissance à venir en famille, entre amis. C'est tellement de bonheur à vivre. Et oui, cette parenthèse festive accroche, en tout cas pour moi, des étoiles dans les yeux. Elle vient rompre avec la monotonie de l'automne qui peut paraître certains jours un peu sinistre et triste. Parce qu'il faut le dire, on enchaîne souvent les journées sans soleil à l'automne. Le ciel est bas, est gris, pluvieux, on a froid, <laughs> on a la nostalgie des beaux jours et parfois même le bourdon. On manque cruellement d'énergie, alors l'atmosphère de Noël nous ramène un peu de lumière et de chaleur, n'est-ce pas mm -hmm. C'est vrai, clairement. Bon, faut-il attendre cette période de, de fête pour sourire et se réjouir Non, bien sûr, mais ça aide à être de meilleure humeur, faut bien l'avouer. Moi, personnellement, je trouve cela si enchanteur, toutes ces lumières qui scintillent dans les villes à la tombée du jour. Dans notre famille, on commence assez tôt à se préparer pour cette fête. Un peu comme toi, <laughs> Marina. Et dès le mois de novembre, on est dans l'effervescence. Ah on ouais. achète. Wow. Ça, c'est très, très enthousiaste. Nos cartes de vœux, ou bien on les fabrique nous-mêmes. On prend le temps avec les enfants. On glane de ci, de là, des jolies petites décorations. Puis, le mois venu de décembre, la maison entière revêt son atour de gala. <laughs> Tout s'illumine avec les guirlandes et les bougies. On est alors blotti dans une intimité agréable et paisible, tenu au chaud par le bois qui crépite dans l'entre du poêle. On, est bien, on est bien, loin de ma flemme du début. Ah <rire> <rire> donc il y a aussi des musiques traditionnelles, des cantiques et des hymnes qui s'élèvent dans notre foyer, qui bercent nos cœurs. Ah, donc c'est impossible d'échapper évidemment aux fameux Christmas carols. Mmh. Donc que vous connaissez tous hein, sûrement tel que Silent Night d'où Sonny bien sûr en français. Le 1er décembre on entame donc avec beaucoup de félicité l'avant. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous m'écoutez, vous vous demandez peut-être c'est quoi l'avant en fait, c'est tout simplement un temps de préparation à fêter une scène biblique glorieuse et extraordinaire qui s'est produite il y a plus de 2000 ans en Palestine, la naissance de Jésus, fils de Dieu. On célèbre le souvenir de sa venue sur terre annoncée par des anges qui sont des êtres célestes, donc à Marie sa mère et à Joseph son père. Ce temps de l'Avent s'étend sur quatre semaines. Dans la Bible, qui est le livre sacré des chrétiens, nous lisons dans Luc chapitre 2 verset 10 qu'un ange annonce au monde entier une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Vous savez, cette scène biblique représente la traditionnelle crèche que l'on trouve dans de nombreuses villes du monde installée aux abords des églises ou des grands monuments et qu'on peut avoir aussi peut-être vous sous, euh, le sous le sapin on y trouve une mangeoire dans laquelle un bébé est emmailloté, Jésus. Il y a aussi Marie, Joseph et très souvent des bergers et les fameux rois-mages et quelques animaux. On trouve souvent un bœuf, un mouton, un âne. En Provence, elle est représentée principalement par des santons. Cette crèche est un élément incontournable de Noël chez nous. C'est un sujet d'exaltation et d'émerveillement infini. On aime se remémorer cet acte d'amour extraordinaire d'un Dieu qui envoie sur terre son Fils unique pour partager notre condition humaine. C'est là tout le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu qui s'est fait homme en toute simplicité. Quand on installe notre crèche, on ressent profondément cette invitation à suivre le même chemin d'humilité, de service et de dévotion. On revit l'histoire vécue à Bethléem en Judée d'un dieu qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. Alors vous comprenez pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire l'avant. Chaque nouveau week-end de décembre, on allume une bougie de plus à notre couronne de l'Avent, faite de branches de sapin, de rameaux de gui et de pommes de pain. Il y a quatre bougies en tout. La lumière sereine qu'elle dégage symbolise pour nous la, la lumière véritable qu'est Jésus. On le fait le vendredi soir au moment du sabbat. Oui, car dans notre famille, on fête aussi le sabbat, comme le fêtaient les juifs, mais ça, c'est un autre sujet. <laughs> Poursuivons. Dès le 1er décembre, on a même un livre d'histoire chrétienne qu'on lit à l'heure bleue, c'est-à-dire au crépuscule du soir. Il y a bien sûr celle qui raconte la venue de Jésus, mais aussi toutes ces histoires inspirantes qui parlent de générosité, de partage, de miracles et d'amour. Cette année, je compte bien utiliser ma nouvelle rocking chair à bascule. Pour le faire, on aime tant être tous ensemble, confortablement installés devant le poêle incandescent. On a également une autre petite tradition que beaucoup ont, c'est que nos enfants ouvrent chaque jour les tiroirs de leur calendrier fait main dans lequel on a glissé un petit chocolat. Tu nous mets la pression un petit peu. Là. Ah, euh, tous les trois. On va venir chez toi. Hein. Avec, plaisir. Avec plaisir. Alors oui, j'aime cette ambiance qui rythme le temps qui précède Noël. Faut dire, j'ai habité plusieurs années en Alsace, une région de France limitrophe à l'Allemagne. Et vous savez, là-bas, pour ceux qui connaissent, cette période est sacrée. Leurs marchés de Noël sont d'ailleurs les plus anciens d'Europe Ils sont chaleureux et authentiques On y découvre des trésors d'artisanat dans les petits chalets en bois Les rues et les façades des maisons se parent de lumière et s'imprègnent d'odeurs d'épices Cannelle, cardamone, étoiles anissées Même l'intérieur des églises brille de mille feux C'est sûr, on ne peut pas manquer ce rendez-vous et on y savoure l'instant pour moi, Noël, ce n'est pas seulement la féerie du moment, c'est aussi une occasion spéciale où l'on peut se tourner vers les autres. Et je vais vous raconter une petite anecdote, même deux, et d'ailleurs il y en a une qui ressemble beaucoup au témoignage que Mimdren a vécu. Quand j'étais enfant, ou plutôt adolescente, ma mère réservait toujours un cadeau sous le sapin pour les plus démunis. Dans une cagette recouverte de papier cadeau, elle y mettait des produits de première nécessité, ainsi que des clémentines, des papillotes et autres gourmandises. Le 25 décembre, dans l'après-midi, ou parfois en fin de matinée, on se rendait avec ma mère dans les rues de la ville pour offrir à quelques sans-abri du réconfort, des sourires et notre petit magot. On leur servait également une soupe bien chaude que ma mère avait mise dans un grand thermos et les tasses fumantes, on les distribuait. Alors ça faisait vraiment briller euh, euh, leurs yeux de reconnaissance et ma mère aimait leur dire que Jésus ne les avait pas oubliés et qu'il les aimait. Ce que ma mère aimait faire aussi, c'était de dresser pour le réveillon du 24 un couvert vide pour l'invité de Noël, comme elle l'appelait. Il désignait celui qui serait un passant ou un étranger. Cette place dite du pauvre symbolisait selon ma mère les valeurs de la nativité, c'est-à-dire celles du partage et de la charité. Cette année, je compte bien reprendre ce flambeau que je n'ai pas reproduit jusqu'à maintenant et dresser un couvert supplémentaire pour la personne connue ou inconnue qui viendrait sonner à la porte à l'improviste et qu'on accueillerait gracieusement et généreusement. Le vrai sens de Noël pour moi, c'est ça, l'amitié, la paix, l'amour, le partage. Je suis tant bouleversée par cet événement de la naissance de Jésus qui a marqué l'histoire de l'humanité entière, car oui, en plus de son message d'amour, cet événement a conditionné la datation de tous les autres événements de l'histoire. La naissance de Jésus a été une ligne de démarcation, le point de départ de toute chronologie, ne dit-on pas avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, oui, pour désigner un événement historique. Bon, certains mmh. vont dire avant notre ère, voilà, ou après notre ère, mais quand même, c'est très, très courant. Mmh. Et peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, euh, bon, la naissance de Jésus ne suscite pas le, le même engouement. D'ailleurs, bon. La date du 25 décembre n'est pas forcément biblique. Euh, bon, mais pourquoi pas utiliser cette date, officialisée par les hommes, pour partager ou faire briller la lumière de Christ dans le cœur de quelqu'un qui a besoin d'être réchauffé et aimé Mais voilà, peut-être que pour vous, ça n'a pas le, le même sens à cette période, hein, et que vous soyez chrétien d'ailleurs ou pas. Mais attendez, ne partez pas. Ce message s'adresse bien sûr aussi à vous. La naissance de Jésus, voyez-vous, nous parle de l'amour d'un Père qui envoyait à l'humanité son Fils comme Sauveur du monde. C'est quoi un Sauveur Eh bien, c'est celui qui nous arrache à nos turpitudes, nos souffrances et nos difficultés, non C'est exactement ce qu'a fait Jésus en venant sur Terre, à apporter la paix comme le chantaient les anges à sa naissance paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Dieu, en venant jusqu'à nous, veut s'unir à nous pour que nous nous unissions à lui dans une étreinte de cœur à cœur. Il veut éloigner les douleurs, réparer nos cœurs brisés, cicatriser nos blessures passées, couvrir nos peurs de sa sécurité, souffler le vivant dans nos parties intérieures desséchées. Peut-être que certains d'entre vous seront seuls à Noël pour X raisons. Alors, je vais te tutoyer. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, ni les ravages qu'il y a dans ta vie, mais je suis sûre d'une chose. Dieu te tend la main. Il te voit. Son regard est posé sur toi. Ce message, c'est comme une bougie que j'allume pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Le grand roi de l'univers t'aime. Il te dit... Je ne te délaisserai pas, moi je ne t'abandonnerai pas. Jésus est venu sur terre pour t'apporter le réconfort et la délivrance. Il est Emmanuel, un de ces autres noms qui signifie Dieu avec nous. Je vous partage ce verset d'Esaïe 43. Merci d'eux que j'aime énormément. Quand tu passeras les fleuves de la difficulté, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu de l'oppression, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne te consumeront pas. Voilà quelle merveilleuse promesse. Que Noël cette année 2023 devienne plus qu'un événement, une expérience qui vient transcender ton histoire pour en changer le cours. L'amour de Jésus triomphe de tout, des souffrances, du mal et des angoisses. Jésus est cette lumière véritable qui éclaire au milieu des ténèbres. Il est l'espérance dont le monde a besoin. Notre cadeau merveilleux. Crois-tu en cela Est-ce que tu veux croire en cela Alors prononce avec moi cette prière. Dieu. Dieu. Je vais te recevoir. Je veux, te, Je veux te, recevoir. te recevoir. Je crois que tu es né pour me sauver. Je crois, Je crois que, que tu es né pour me sauver. M'arracher à, à la mort. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je, Je crois que, que tu es le Fils de, de Dieu. Dieu. Celui qui donne un sens véritable à ma vie. Celui qui donne un sens véritable à ma vie. Je veux vivre une vie remplie de ton amour. Je veux vivre une vie remplie de ton amour. Amen. Amen je repensais à l'invité de noël dont je vous ai parlé qui sait peut-être que cette année l'invité mystère de notre table sera simplement l'esprit de dieu qui nous honorera de sa présence et qui proclamera une année de bienfaits et de grâce sur nous et notre famille alors laissons-lui un couvert pourquoi pas je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et un très bon noël Si tu viens de nous rejoindre, tu te trouves au culte Espoir, et c'est Christelle qui vient de nous partager son message, un Noël motivé par l'essentiel. Alors, si tu n'as pas pu écouter le message, tu tombes à pic car nous sommes dans la chronique et toi, ça te parle. Une chronique où l'on réagit à chaud sur le message qui vient d'être partagé. Alors, Marine et Amandine, comment ça vous a interpellé ce message Je vais commencer volontiers. <laughs> Vas-y. <laughs> euh, alors. Euh, on, on dit en titre euh, un Noël motivé par l'essentiel, et puis on partage toujours plein de trucs qui sont très futiles, on va dire, mais qui mmh. participent à cette, ces festivités de Noël, les décorations, euh, mmh. voilà tout ce qu'on prépare et tout ça. Si on devait garder une seule chose qui serait vraiment l'essence même, qu'est-ce que ce serait Christelle Eh bien, ça serait euh, de partager euh, avec un autre, quelqu'un, son voisin, on en a parlé hein, euh, et bien un peu de, de cet amour euh, de Jésus que Jésus est venu euh, bah, pour, euh, pour apporter de, de la joie et la paix mmh. et euh, ça serait vraiment ça. Merci. Mmh. Ça, ça vous parle aussi Oui mais' c'est moi tu vois, je t'écoutais avec grande attention, je partage parce que j'ai le privilège finalement d'avoir des gens avec qui je peux partager ce temps-là mais je me suis dit que ça peut être terriblement irritant et agaçant en fait d'entendre parler de oh, Noël c'est trop bien et puis Noël la famille et puis Noël mmh. les cadeaux parce qu'en fait des fois on n'a pas les sous pour pouvoir acheter les cadeaux et puis des fois et euh, eh ben en fait on n'est pas entouré de gens bienveillants et puis on est seul et puis c'est niais et puis c'est commercial et puis c'est mmh. vous, vous voyez tout ce que mmh. ça peut aussi faire naître euh, mmh. en nous et comment ça peut irriter d'entendre des gens parler de tout ce bonheur et puis tout ce poil mais moi j'ai pas de poil parce que mon appart <laughs> vous voyez ce que je veux dire c'est tout, tout ça <laughs> et je me suis dit finalement en t'écoutant je me suis dit mais en fait et ça, ça pique aussi un peu dans un sens parce que j'ai le Noël que je vais décider d'avoir en termes de responsabilité aussi si ben moi je reçois pas mais en fait si je commence moi par être cette dynamique que j'ai envie de faire vivre ce monde que j'ai envie de connaître ben c'est comment cela je sais pas si c'est clair ce que je dis mmh. si j'ai envie que ça soit un, un Noël où il va y avoir de la bienveillance une période où il va y avoir de la gentillesse bah, si je commence moi, potentiellement, ouais. je va, vais faire... Irradier, euh, voilà. Les je ouais. me dis au travail, ouais, euh, je me dis, tiens, euh... et des fois on se dit, ben bah, non, si je suis gentil, ça va faire niais, ça va faire fleur bleue, machin. Mais moi, je me suis rendu compte que quand je fais un geste, je pose un geste tout gentil, tout simple. Mais hein, bah, en fait, ça fait du bien autour. Et mmh. puis ça fait effet boule de neige, c'est le mmh. thème. Et euh, d'autres font pareil, et finalement, ce côté irritant, et eh bah, il peut être apaisé peut-être. Et ce geste que tu proposes, mais il fait vraiment sens, en fait, je trouve. Mmh. Ouais. Et puis tu parlais tout à l'heure que ça cette bonne nouvelle, c'était euh, le partage, c'était l'amitié, c'était l'amour, c'était la paix. Et euh, je trouve vraiment <coughs> intéressant qu'on puisse le faire euh, toutes les années parce que en tant qu'humain enfin moi en tout cas pour ma part euh, on se souvient beaucoup des choses un petit peu néfastes qui nous, a fait, qui nous ont fait mmh. du mal mmh. mais des bonnes choses on a tendance à aller vite les oublier mmh. et d'avoir ce rappel finalement toutes les années ce serait cool de l'avoir plus longtemps mais de l'avoir toutes les années et de se rappel finalement que c'est une bonne nouvelle et une bonne nouvelle d'espoir et c'est de l'espoir et et tout ça ben c'est euh, c'est comme tu l'as dit c'est Dieu Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est Jésus. Et euh, voilà, cette nouvelle, ben, j'ai envie de la... de, de m'en souvenir et de la... de, la, de, la, de, la re, de me remémorer tout ce qu'il a fait pour nous. Mm -hmm. Tu nous parlais aussi euh, de cet homme, de Jésus qui s'est fait homme. Donc, euh, on, peut, on peut croire que Dieu, c'est un Dieu qui est inatteignable, mais ce cadeau qu'il a fait, finalement, c'est de venir aussi vers nous et, et de, de se faire connaître de nous tous en étant en fait euh, à, notre, euh, à notre niveau et ça mm -hmm. je trouve vraiment je trouve vraiment incroyable pour voilà pour tisser une relation avec lui c'est un peu mm -hmm. une piqûre de rappel de, de l'invitation qui nous est faite et que tu nous as faite de suivre l'exemple de Jésus c'est ça oui. Mm. Mm. Moi, je suis interpellée parce que tu dis brillant euh, de réitérer ça chaque année. Et, euh, et ça, c'est super parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que j'élève un petit garçon qui a deux ans. Euh, c'est la première fois qu'il va comprendre un tout petit peu ce que c'est Noël. Alors, il était très content de... de de faire un peu la déco, euh, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais dans ces prochaines semaines avant Noël mmh. euh, Comment est-ce qu'on va vivre ça De quelle manière est-ce que je vais pouvoir lui partager un bout de cet héritage de nos de nos valeurs chrétiennes mmh. euh, et, et je trouve super de pouvoir euh, avoir l'occasion de d'apprendre de, à son enfant au travers de cette fête de Noël la bienveillance, l'amour de l'autre, prendre soin de l'autre, et chaque année réancrer ses valeurs au travers de, de cette expérience-là. Et toi, et toi, cher auditeur, chère auditrice qui nous écoute à la maison, là où tu es, qu'est-ce que ça t'évoque Comment ça te parle Marina, nous sommes dans la chronique Dieu dans les arts et je sens que tu nous as préparé un petit quelque chose. De bien sympa. <laughs> Alors, comment se prépare un Noël solidaire euh, je l'ai nommé noël dans un carton parce que c'est une expérience qui existe déjà c'est le nom de l'action solidaire que propose l'association adra adventist development and relief agency une association à but non lucratif qui œuvre à, à l'international. Et notre chroniqueur Stéphane est parti à la rencontre d'hommes, de femmes, de jeunes qui, durant le mois de décembre, offrent leur temps et leur énergie pour apporter sourire, réconfort et de la joie dans des foyers au travers d'une action très concrète. Vous allez l'entendre. Bonjour, je suis ici avec le responsable ADRA qui va vous expliquer un petit peu c'est quoi le concept de Noël dans un carton. Euh, bonjour à tous, merci d'abord Stéphane. Le concept de Noël dans un carton c'est simple, c'est-à-dire on remplit des cartons avec des jouets, des habits, plein de bonnes choses et ce carton va correspondre à un, à un cadeau qu'un enfant va recevoir directement dans ses, dans ses mains. Je vous ai parlé des, des enfants, mais des, des enfants de quel pays ADRA Suisse a un orphelinat qui est situé en Moldavie et pourquoi la Moldavie Parce que c'est le pays le pays le plus pauvre d'Europe et actuellement on envoie là-bas tous ces cartons, ces, ces cadeaux on va dire, euh, partent directement là-bas vu que c'est malheureusement c'est le pays le plus pauvre. Et ça représente combien de, de cartons qui sont distribués déjà à l'église ici et euh, Adra Suisse Alors euh, notre antenne actuellement elle envoie euh, quelques centaines de cartons mais euh, Adra Suisse doit envoyer quelques quelques milliers. Merci beaucoup. Comment as-tu entendu parler ce projet bon, Ce projet, je, je connais depuis longtemps, hein, parce que j'ai toujours participé ici à l'église aussi. J'avais préparé des cartons à la maison euh, pendant trois ans. Et cette année, j'ai décidé d'acheter des choses, aller au, dans les magasins acheter, et aider aussi dans la récolte dans les magasins. Et j'ai décidé de faire cette année ici à l'église ensemble. Ben, j'ai entendu parler de ce projet par rapport à notre église, hein, à l'église que je fréquente. Donc, on travaille assez chaque année pour projet donc c'était comme ça que j'ai pris connaissance du projet et être bénévole pour ce projet ça ouais, prend combien de temps mais si on nous donne on donne toute la volonté qu'on a et ça donne pas beaucoup de temps quand on aime on compte pas comme on dit. Moi, j'ai pas vraiment compté, mais euh, faut compter quelques heures. Là aujourd'hui, on, on va prendre peut-être pour emballer les, les, les paquets deux heures, trois heures, ça dépend. Mais effectivement, euh, si on commence à compter notre temps, euh, c'est pas le but de l'exercice. Ça prend du temps, mais quand on veut faire du bien, on pense pas au temps. Euh, pour moi, le temps, il représente la volonté. La volonté, c'est l'essentiel. Le temps, après, on voit pas passer. Hein. On est entre famille, on, entre amis, et c'est assez euh, diversifié le projet, donc euh, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Qu'est-ce que t'apporte ce projet-là bah, ça rapporte le fait d'aider les autres déjà, de faire ce que notre église elle elle prêche, hein, c'est le, le faire du bien et faire euh, participer du, des projets de vie des autres. C'est là qu'on connaît pas. Donc, euh, ce projet m'apporte beaucoup euh, d'espoir pour l'avenir des autres. Vu autant des de choses qu'on a racontées, euh, ça veut dire qu'il y a aussi des gens assez euh, engagés pour ce projet. C'est très euh, gratifiant. Ben, ça nous apprend à être un peu solidaires avec les autres, ceux qui ont besoin d'aide, parce que la, les enfants de la Moldavie... Les, à partir et puis les enfants qui ont plus parents, les orphelins Face à Noël assez simple, hein, où y a, ils n'ont pas grand chose, donc nous on, on vit de la surabondance ça apprend aussi à nos enfants et à nous ça nous rappelle que l'abondance c'est bien, mais partager c'est mieux C'est toujours bien d'écouter de, de son cœur, de, de regarder aussi plus loin que notre pays, qu'on vit très bien et euh, justement c'est c'est gratissant de voir euh, faire un geste pour ces enfants-là qui sont dans le besoin, dans la pauvreté. On remercie toutes ces personnes qui ont contribué pour cette démarche, pour tous ceux qui ont contribué à ces jouets pour ces enfants-là. Et grâce à eux, nous pouvons aussi transmettre ce beau message avec notre cœur pour montrer aux des pays qui ont besoin de solidarité qu'on on sera toujours là pour eux. Ça, ça m'apporte beaucoup pour moi parce que j'aime beaucoup donner et je suis heureuse quand je peux donner mon prochain. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui hésiterait à s'engager dans un projet tel celui-là ou un autre N'hésitez pas à venir participer. C'est assez fun, c'est assez joyeux. Euh, le fait de rentrer à la maison avec le, la sensation de devoir accompli, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup d'argent. Donc ça prend juste notre volonté, notre énergie et puis ça apporte du bien pour nous aussi pour les, les autres. Ils savent pas ce que c'est bien d'être ensemble et participer, avoir un but, aider ce projet. Ça fait déjà depuis beaucoup beaucoup d'années. Merci beaucoup. Moi je suis avec les enfants qui aident. Est-ce que vous aimez faire partie de ce projet Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus Faire oui. les, boîtes. les boîtes. Et c'est pour qui ces cartons Pour les, les enfants de la Vous voulez inviter d'autres personnes à participer aussi oui. oui. Pourquoi Pour aider les autres personnes. Merci. Merci à ces bénévoles d'une communauté locale sur euh, Neuchâtel pour leur cœur et puis la joie qu'ils vont offrir hein, à ces inconnus euh, de Noël. Ça ressemble un petit peu à ce panier dont tu parlais, hein, mmh, Christelle, ce panier de Noël. Et toi, auditrice, auditeur, est-ce que tu serais prêt, toi aussi, à rejoindre une association de ton quartier ce mois-ci pour offrir un Noël différent cette fois-ci Je te propose de vivre maintenant. Un moment de prière. Sens-toi libre de prendre une position qui te dispose à rentrer en communication avec Dieu. Cela peut être tel que tu es maintenant ou les yeux fermés ou vers le ciel, à genoux, incliné, debout, les mains jointes ou ouvertes devant toi. Que tu puisses tourner toute ton attention vers Jésus. C'est Christelle qui va nous conduire dans ce moment. Alors Seigneur, merci pour ta présence, pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait de, de ta venue sur Terre et euh, je te demande vraiment de, de bénir chaque personne qui nous écoute, chaque auditeur, chaque auditrice hein, et d'amener dans, dans sa vie et ben de, de la joie, de la paix et que nous puissions Seigneur être cette année dans une dynamique différente de partage afin de, de transmettre et de véhiculer ton message d'amour. Amen. Mmh. Comme à notre habitude, nous ne te, te laisserons pas partir avant l'action de la semaine. Alors Marina, que nous proposes-tu Alors à Noël motivé vers l'essentiel, voilà le titre que tu nous as proposé Christelle. Nous voilà suffisamment tôt avant cette fête de Noël pour que je te propose une action qui t'y prépare gentiment. Faire de Noël finalement une expérience différente. Alors je t'invite à te laisser interpeller par ce que tu viens d'entendre et puis sur le vif, sur la vague de l'action, que tu donnes un autre sens à ton Noël et à celui lui, euh, peut-être d'un voisin, d'une connaissance, peut-être même d'un inconnu. Pas besoin d'aller jusqu'en Moldavie, tu peux aussi trouver de potentiels bénéficiaires en regardant autour de toi. Alors, euh, il y a la vieille dame qui est seule dans ton immeuble, le papa solo de la maison là-bas, peut-être la collègue de travail qui ne reçoit plus la visite de ses enfants, tu as peut-être d'autres exemples en tête. Bref, je t'invite à lui ouvrir un espace de rencontre et de joie pour Noël. Alors, tu peux lancer une invitation à cette personne à laquelle tu penses, un rendez-vous pour boire un bon chocolat chaud, mm -hmm. des biscuits dans un café en ville, pour échanger, pour lui apporter un peu de douceur, une écoute, une étincelle d'humanité, un soupçon de joie. Tu peux aussi l'inviter pour ton repas de Noël. Hein. On reprend cette idée de l'invité mystère de Noël en immersion dans ta famille. Waouh wow. Alors, à ta table, ce sera un beau partage de c'est sûr. sûr. Tu peux simplement aussi commencer à préparer ce carton sous le sapin que tu vas remplir tout ce mois de petites victuailles que, que tu offriras à ce collègue, cette voisine, cet inconnu. Et puis, commencer par soi. Son foyer d'abord, et puis élargir petit à petit. C'est simplement apprendre à aimer et aimer véritablement sa famille, donner des paroles valorisantes, transmettre de belles valeurs. Tu l'as bien compris, l'une ou l'autre de ces idées te donnera l'occasion d'être source de paix, source de joie, en prenant soin de quelqu'un. Bonne action. Ben merci Marina pour cette action vraiment très très sympathique. Merci à toi, auditeur, auditrice, pour ta fidélité. N'hésite pas à partager ce culte autour de toi. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao